Yo tout le monde, c'est Tiob, épisode 6. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Ah oui, on avait goumé, si vous me permettez le terme, Palmière. On l'avait chassé vraiment du Proche-Orient, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre Nabatéa et au moins à Égyptos. On va voir si on arrive à aller dans les plaines libyennes. Dans les déserts libyens, on verra si ça passe. Ah, j'avais pas vu que Palmyre avait pris pied aussi en Grèce. Intéressant tout ça. Je l'avais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va mettre une petite marche forcée. Envoyer le Sahara au niveau de Cortina. Lui, il était toujours pestiféré, le pauvre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Éphèse. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'à Éphèse, on pourra défendre plus facilement nos côtes si jamais il attaque, si jamais le Palmyre attaque de Grèce. Alors on fait juste le tour, vite fait. Hein. Si on a un oublié pour ce tour-là, j'ai envie de dire. Hein. On est comment? Ils sont contents. Xénophobie. C'est quoi ça déjà? Ils aiment pas les Grecs, c'est ça? Ah bah ça. Alors là, ils m'ont kiffé. Plus on doit pendant 5 tours pour chaque action de l'agent. Ça, je vais pouvoir le faire, Magna. Ok, ça va être peut-être un peu plus tard. On gagne pas encore assez sur les provinces. On va faire des promos, enfin donner les promotions au niveau des généraux. Voilà, inexorable conquérant, c'est parfait. Lui également. Gardien de la loi. Tu vas même pouvoir le faire attaquer Petra. Hein. Il n'y a personne, voilà, on va lui faire un petit siège à Petra. Voilà, un petit siège d'un tour, ça devrait faire l'affaire. Et même pouvoir commencer à se déplacer hein. Ouais, très très bien. Hop, on va se rapprocher de Hégra. Voilà, les agents ils se déploient petit à petit, ils avancent hein. Rome nous propose une alliance défensive, je sais même pas où est-ce qu'ils sont les Ouais, il demande de l'argent, non. Toute façon, c'est pas intéressant. Alors, Palmyre essaye de se défendre. Alors, on est donné perdant sur le papier, mais bon. On va les casser. Donc, je mène la bataille manuellement et on se retrouve juste après. Fin de la bataille. Donc, j'ai gagné sans trop de soucis. Je pense pas avoir eu trop de pertes. Voilà, une centaine de pertes. Contre 1500. Voilà, bah la ville va se rendre gentiment. On peut voir, hein, c'est principalement la cavalerie, un petit peu les artilleries hein, qui font le café, qui ont fait. Ouais, en fait, ça a pas mal équilibré. Hein. On peut voir l'armée équilibrée. Voilà, donc la puissance, hein, tout simplement, de l'armée de piquet, cavalerie, plus tir à distance, bah ça fait toujours le café. Hop, un peu d'esclaves. Parce que bon, notre royaume s'agrandit. Notre royaume qui d'ailleurs pourra devenir un empire d'ici peu, je pense. Hein? Enfin, si on n'a pas rempli les conditions de victoire avant. D'ailleurs, on va faire un petit point sur les conditions de victoire. Ça, on s'en fiche. Ça. Voilà, on prend très gentiment. Alors on profite là, voilà, qu'on ait de l'argent, ça c'est très bien. Ici on va faire, on verra ça plus tard autre part, voilà. Technologie, artillerie navale améliorée. Il faut bien, on avait dit oui. Un point sur les conditions de victoire, alors il me manque quoi? Samartia, ouais là on voit que c'est un peu galère là-bas, hein. Il me semble que j'avais préparé... Une armée, ouais, très bien. Donc, on va l'envoyer. Alors, Samartia n'est pas une condition de victoire, mais un objectif.
Condition de victoire, il manque la Dacia et la Libya. La Dacia qui saurait être prise rapidement. Et la Libya, bon, ça va tomber tout simplement très bientôt. Oui, on va voir. Hop, on continue sur des cathédrales à la bouffe, hein, toujours. Plutôt chrétien, parce qu'apparemment, c'est le culte par défaut, alors il n'y voyait rien d'autre. Hop, nourriture, moins 2. Moins 2. Ouais, non, c'est bon. Là, voilà, on peut faire un canal. Liste de revenus, pourcentage sur l'agriculture. Le fameux puits, toujours pareil, hein, vous avez l'habitude les gars maintenant. Ariana Batea, Arabia Magna et Thracia. Ah, voilà. Alors on voit que niveau bouffe, par contre, ça baisse vite. Hein. Va falloir faire attention. Voilà, comme d'habitude. Ici, on va faire un petit peu... On va inciter à l'agitation, on va voir hein, si on peut... Voilà, faire baisser le moral. C'est toujours ça de prix. Hegra va tomber, résolution auto. Oui. Alors si pourquoi on gagne pas facilement les résolutions auto, alors on a beaucoup de pertes, c'est qu'on a des unités qui sont, à dire sur 4 développements, ils sont rang sur 4 ou 5. C'est le rang 1, 2, 3, 4, 5. Sur 4 ou 5, ils sont rang 2. Donc, forcément, il y a du boulot. Il y a du boulot. Lui, on va aller à Carmutas. Voilà, il devrait y arriver le tour prochain. Donc on aura bientôt pris déjà Nabatea. Ça, c'est déjà fait. Voyons voir comment ils m'aiment ou ils m'aiment pas, eux. Ça peut aller. Voilà, on va pas faire plus. On va pas les embêter actuellement. Ici, voilà, ils récupèrent d'avis. C'est bien. Ils recrutent. Voilà, le tour prochain, on y sera au niveau province, c'est quoi, c'est Akia. Ok. Enfin, on sera au niveau de Gortina, pardon. On va faire un tour au niveau, donc ça, voilà, il faut qu'il fasse autre chose, hein, les gars, vraiment. On va saboter, on va faire tout ce qu'on peut. Commettre un... Oh oui, on va saboter Memphis et Mios Hormos, je crois. C'est un peu leur grenier, c'est un peu le grenier à Palmyre, donc on va connaître des commettre des actes de pyromanie, ça va... Ah, oh, je peux pas vraiment là. Ah, oh, il y est pas. Ah, oh, c'est moche. Voilà, là-bas, bon, il est en chemin, ici, on est bien. Voilà, on va pas l'embêter plus. Et là... On va le mettre là. Hein. Ah. Je peux pas l'assassiner, pas de bol, parce que je l'aurais bien assassiné lui. Hein. Vous connaissez ma haine envers les missionnaires, politiciens, enfin ce genre de trucs, diplomates et tout le bazar là. Qui te volent des unités gratuitement. Ah, bon bah lui, ça a mal passé. Et voilà, donc on va passer gentiment le tour. Ah, champion d'Ishtar. Très bien. Classico classique, gardien de la paix. C'est très très efficace. Toujours sur l'agriculture. Ravitaillement spoilé. J'ai combien là de... Wouah ! La vache ! Ah ouais, mais ça c'est à cause de l'Imperium. Comme je vous parlais en fait, l'Imperium va augmenter le banditisme. Et putain, il augmente même bien, hein. Purée. Je sais plus où est-ce qu'il est... Ça augmente pas de banditisme. Ah, ta. Voilà. 5, augmente 5, non, 5. Ah.
Bah, j'étais sûr que ça allait augmenter le banditisme. Tiens, c'est bien. Bon, ouais, c'est pas grave, je passerai en empire de toute façon. Le plus rapidement possible. Voilà, il faudra que eux ils soient dans le positif au niveau du. Comment ça s'appelle, de la loyauté. Et on devrait être pas mal. Hop, on fait le tour des provinces. Voilà. Toi, ici, on va faire. Rassemblement religieux, un puits, deux centres-villes. Ouais, parce qu'un centre-ville, c'est pas assez. De la bouffe, on peut pas dire non. C'est très important. Voilà. Alors là, on avait dit quoi? Oui. Toi, c'est qui ça? Ouais, là. Camtas, deux tours, c'est chiant. Résolution automatique, on occupe. Voilà. On a la province de Nabatea. J'ai un peu galéré, je peux le dire, ça. C'était pas sûr. Hop, on sabote, comme on disait. Et voilà, c'est cassé. Et voilà, c'est cassé aussi, c'est très bien. Ça, c'est de la bouffe bien volée, enfin, bien retirée, on va dire. Ici, ça vole, c'est bien. Ici, ça. Ouais, je les emmène jusqu'à où là? Ah ouais. Pourquoi en Bretagne? Ah, faut que je les emmène là, lui. Voilà, là, ça avance. Voilà, tranquillement, mais sûrement. Un abri, mais t'es en train de courir, comment tu fais? Voilà, allez. On rapatrie tout le monde là. Ouh, c'est balle le moral? Ah non, j'ai mal vu. Alexandria, c'est en cours de marche. Memphis, c'est en cours de marche. Mios Hormos, c'est en cours de marche. C'est en cours de course, enfin, voilà, au choix. Gortina, ça tombe là. Comme des mouches. Il va falloir quand même que je reste un peu plus longtemps ici, je pense, parce que on voit que c'est très très romanisé. Hein. Purée, les Grecs, ils sont romanisés de ouf. Hein. Les pauvres. Alors là, ça fait de la nourriture, hein, toujours, gardien de la loi, nourriture. De loyauté politique. Bon, alors, on va attendre. On va attendre de pouvoir faire un. De pouvoir resécuriser un coup. On va sûrement leur donner quelques. Quelques promotions. Ouais. Un taux de recherche, ça c'est bien. Pourquoi, me direz-vous? Tiens, ouais, je suis vraiment en général. Ok. 5 de loyauté. On va plutôt faire ça. Envoyer un diplomate. Même s'il me trahit, j'en ai rien à foutre. Ça va, putain, moins 100 10 Ah ouais. Voilà, ça va bien augmenter. Méroé. C'est pas grave, s'ils font de la mouise. On s'en fiche. Alors pourquoi je fais ça? Simplement parce que je veux 30 au moins. Qui soit vers les 20 de loyauté. Pour éviter une sécession. Pff, que je doive juguler une sécession, surtout que j'ai aucune idée de quel territoire. Quelle est leur. On va dire. Leur. Région qui leur appartient, plus ou moins. Généreux tribut. Barde célèbre, purée. Eh ben, dis donc, ils ont pas déconné, hein. Ils ont déconné zéro, les gars. Ah, je peux toujours pas sécuriser le royaume. 5 tours, ça fait combien de temps que je fais ça? Ok, bah si ça se passe bien, on va les réenvoyer, hein, ces 4 tours. On fait le stock, voilà, Blémies, et Axum. Ouais, bien sûr, là on fait de la nourriture. Ok.
Et on va attendre un peu avant de les envoyer. Enfin, de l'envoyer, je veux dire. Lui, il avance tranquillement, mais sûrement. Ah, ils sont en train de subir un siège, attention eux. Alors, on va construire tout ça vite fait. Oups, j'en oublie un. Ici, rien, y'a rien, y'a rien. Canal. Nourriture, nourriture et encore nourriture, ça c'est. On peut voir, ça consomme de la bouffe tout ça, c'est. C'est fou! Hôtel. Très bien. Et on va passer le tour. On va passer le tour. Voilà, on a bien nos armées qui avancent là vers l'Égypte. Nous allons libérer les Égyptiens du joug de Palmyre. Et voilà, les intégrer à notre royaume, futurement empire, qui est totalement meilleur. Hein, voilà. Ça nous dit ça en chasse. Avec un généreux tribut, c'est bien. Oh, pénalité de recherche, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Lui. Voilà, alors là on a le temps. Alors on a du temps, on a tout le temps qu'on veut. Hop. Ici il va nous manquer de la portée. Très très grave en soi. Kermitas, envoyé à Diospolis. Je sais pas si ça a déjà été pris. Lui, on va l'envoyer à Kermitas. Et mon général, alors. J'ai pas envie de les laisser en vie. J'ai pas envie de les. Pardon, j'ai pas envie de les laisser libres. Dans le sens où ils vont très vite me saouler, je pense. Surtout mes roués. Mes roués défensifs. Oh, mais ils ont. Quoi? Ah non, c'était les couches. Les couches qui sont plus là sur cette partie. Ouais, bon bah. On verra ça les tours d'après. Lui, on va l'envoyer à. Par étonnant. Et lui, on va l'envoyer. Ah! Je l'avais pas vu ça. J'ai peut-être un peu abusé là, ça en fait beaucoup. Hop, hop. Et lui, je disais, on va l'envoyer à. Ammonium, voilà. Ouais, alors j'en profite, sabotage de la colonie. Oh, c'est dommage. Commettre un acte de pyromanie, voilà. Oui, sabotage de la colonie, c'était l'agitation. Très bien. Ah oh, bah parfait. Il up. Ça c'est bien aussi, purée. Et on va. Est-ce qu'on va devoir passer le tour? Oui, je pense. Pas grand chose à faire. Bon. Alors là. Bah, il y a une armée, on va pas y aller. Je m'étais dit avec la petite armée de mercenaires là, qu'il y a là-bas, peut-être que. Mais non. Alors, c'est l'hiver. Alors, on approche du territoire ennemi, donc là, on va le faire marcher normalement. On ne sait jamais. L'embuscade est vite arrivée. Voilà, de toute façon il y a la batterie qui nous aide là, je vois ici, ça a l'air d'être la batterie. On autorise le commerce, bataille 2, Bitinia et Pontus, est-ce qu'il y a des ennemis? Non, il n'y a personne. Très très bien, hop, on devrait arriver d'ici le prochain tour. Bon, utile, de toute façon on s'en fout, de toute façon on joue un meilleur Vandal Vardouet. Ok. Là, on développe, donc on fait le tour hein, comme d'hab. Oui, c'est bon. Je vais faire un entraînement naval ici. Je crois que j'ai jamais fait autre part.
Et si c'est le cas, je vais zapper, c'est pas très grave. Voilà, alors qu'est-ce que ça dit? J'ai fini ça, très très bien. À développer, on va faire un port militaire. Ça va commencer à nous servir, je pense. Voilà, là on s'avance tranquillement. Ici, on fait le siège. Lui, je sais même plus où est-ce qu'il va, mais fais ta vie. Et eux, ils vont naviguer à mon émoi. Et on a fini pour ce tour, hein. Un tour assez rapide, mais ma foi efficace. Voilà. Ouf, double armée à côté d'Alexandria. En plus, ils vont essayer de se défendre, je suppose. Mios Hormos. Non, c'est pas Alexandria. Ouais, on a Guerra ici. Mios Hormos, bah, la capitale de Palmyre actuelle. Hein. Eh bah, elle tombe. On va dire en captif, en esclavage, je veux dire. Ici, on est sur Memphis. Résolution automatique, voilà. Memphis qui n'est pas la capitale. Ah bah d'accord, ouais, en fait elle est toujours pas à moi. Ce sera la fin de ce tour, ouais. La future probable capitale. Ah bah non, celui-là est tombé pour moi. Alexandria. Mode équilibré, voilà. Hop. Efficace et pas cher. Même principe, un peu d'esclave. Ça fait tourner le... Ça augmente les revenus. C'est bête à dire, mais ça augmente les revenus d'un peu partout. Voulez-vous vraiment lancer une attaque? Mon ami, c'est bien peu de choses ce que demande mon maître. Modéré, si je fais créer une satrapie avec un paiement de 34 000. J'ai une alliance défensive, est-ce que je peux pas faire une alliance militaire? Non. Je vais voir, il s'entend bien avec quelqu'un lui. Ils ont des traités. On va les laisser se débrouiller. Hein, c'est lui qui a attaqué. Sinon, ça m'aurait demandé de rejoindre. Voilà, Egyptos. On se débrouille bien. Résolution auto ici. Et on a toute l'Egypte. Voilà. On a le grenier. Niveau bouffe. On devrait pas être mal du tout. Allez hop, ça part sur des grands travaux là par contre. Parce qu'en un tour, j'ai tout pris. Voilà, bouffe. Faut pas déconner les gars, encore de la bouffe. Alors là par contre je vais peut-être partir sur ce qui me rapporte de la thune. Hein. Voilà. Faut pas déconner non plus. Là ça va être très très thunasse. On va faire un embarcadère, ouais. Ouais, ouais. C'est mieux au niveau ordre public, c'est encore mieux. Voilà. Ça on verra, ça non, et ça. Carta royale. Et j'allais oublier. Plus 30 taux d'impôt, 30% du taux d'imposition, les gars. C'est juste abusé. Voilà. On va faire quelques raids. Histoire que ce soit plus simple à mes armées bah de casser tout ce qu'il y a là-bas. Morale. Voilà, eux, on avait lui, on va l'emmener à Carthage, voilà, comme ça. On sera sûr qu'il sera où il faut. Et lui, on va l'emmener là-bas, hein. On va vraiment... commettre un acte de Paromanie, ouais, voilà. On va l'emmener là-bas et on va envahir tout le... toute l'Ethiopie. Donc il est mignon, il a des unités en mer, lui. J'ai pas tout capté encore.
Ah, j'espère qu'il n'y a pas débarqué, il me saoulait par contre. Ah, on débarque. On occupe. Colonie commerciale, de la bouffe, de la bouffe. Et... Ah, j'ai dit de la bouffe. On vérifie quand même les autres provinces, non? Parce que bon, ça s'est bien passé par là, mais on va quand même vérifier. Il y a aussi au nord, on a une action à faire, faut pas l'oublier. Ça, hop, je suis là. Ils sont combien? Ils sont 12. Je sais pas combien de temps on va durer le siège. 4 tours, ça prévoit. Oh, c'est long. Mais bon, je vais pas perdre beaucoup d'hommes, je pense. Peut-être juste pour la bataille. Peut-être un peu plus compliqué. Alors, oui, au niveau du bonheur, moins 1, purée. Alors, hop. Ça c'est pas utile, enfin ça n'est pas utile. Alors on envoie chez les Yaksum. On envoie chez Bleblemies. Il va être content. Bien évidemment, on fait quoi? On peut pas sécuriser? C'est une débilité ça? Ah ben on va passer en Empire, faut pas déconner. Je peux pas prendre de mesures. Ah! Ah! Merde! Ah bon. Alors. C'est. Mésopotamia. Pour Taïk. Ouais. Bon, je vais lever. Alors, Taïk, c'est qui? Ils sont cette couleur là, là. Ok. Ouais. Relever, hein. Relever quelqu'un, un bon général là. Lui, relever l'armée. Voilà. On améliore et on l'adopte aussi pendant qu'on y est. Voilà, un énième gamin. Alors, je sais pas combien il a d'enfants lui. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, avec une seule femme. Bon, ça, faut quand même, faut le préciser. Voilà, hop. Voilà, je recrute le maximum de mercenaires au cas où il y a une petite sécession ici. On devrait la juguler simplement. Au moins, moins difficilement. Ah, oh, ah, je peux refaire un... Ah, c'est bien ça. Et ici, bah du coup, on va faire la même. Voilà, il y a taux d'imposition, les gars. Ah, non, c'est pas celle-là. Ici, talentueux archer, toujours expert agricole. Putain, je me suis trompé tout à l'heure, d'ailleurs, je crois. C'est expert agricole qui donne la bouffe. C'est pas grave. On passe ce tour, on va voir s'il y a une petite sécession... Ou non, on va voir si ça débarque au niveau d'Alexandria, là, l'armée là qu'on voit dans des bateaux de pêche. L'armée palmyrienne. Ok, bon, ils sont en train de faire des magouilles là avec leur agent, c'est chiant. Voilà, alors ici. Résolution auto, c'est ce que j'ai pas envie de faire, voilà. On réduit en esclavage et normalement on devrait avoir la ville qui tombera plus facilement. Surtout que je n'ai aucune perte par tour, lui en a donc il est obligé d'attaquer maintenant. Traité de paix. Il ne va pas faire une satrapie donc non. Unité de revenus commerciaux, bah dis donc, je vais pas avoir beaucoup de revenus là. Et il n'a pas l'air d'avoir eu fait de sécession, lui, ni lui. Ah, on va sécuriser quand même. Hein. Là, les deux. Un coup de sécurisation. Pas déconner.
c'est... Voilà, et là on va les réenvoyer, hein. De toute façon ils font de la merde, ils font de la merde, c'est pas un problème. Voilà. Ah, on va voir pour y envoyer là. Ah, je l'ai pas vu là, mais merde. Oh, ça pue, ça pue, mais alors une force. Il y avait une armée, hein. Ah, je l'ai pas vu du tout là. Voilà, donc on recrute à la hâte du mercenaire là. Bon, s'il attaque, ça devrait mal se passer pour lui. Ici, exercice tactique, poussé. Bien sûr, évidemment, il n'y a pas de problème. On fait le tour de toutes les provinces, vite fait. Ah oui, c'est ça. Quand nomade, poste de messager ici. Ah, non, on va tester. C'est quoi? On va tester vraiment faire un full. Full fermier. Hein. C'est vraiment disrespectueux. Quoi. Puis. Ça c'est bien. Et on va refaire un centre gile. On va voir ce que ça va nous proposer. Alors on en était où? On était à l'Egypte. Persifié, Trosi, Ajouté, Nabaté. Hop. Oups, ça je sais pas ce que ça fait là. On fait un hôtel et on fait de la nourriture ici, comme d'habitude. Voilà. Ici, il y avait une flotte, je sais pas si elle... Voilà, donc c'est risqué, mais... Ah! Ah! On peut pas passer de l'heure derrière, là? Ah! Bon, c'est pas grave. Au pire, on est en super état numérique local. Bon, c'est dégueulasse de faire ça, mais... c'est vraiment dégueulasse. Voilà, là, on tient bien... Hop, hop, hop. Oula. Il en reste un. Il est là. C'est qui, ça? Ah oui, tu m'étonnes qu'il a up. Il a fait une belle bataille, une rude bataille. On passe le tour et je pourrais... prochain tour, je pense... dissoudre l'armée de mercenaires là que j'ai fait à la hâte en Mésopotamie. Sérieusement, il n'y a pas les renforts là? Il aimerait attaquer du coup, non? Oh! Oh! C'est bien. Non, pas traité de paix. Ça c'est très très bien là ce qui s'est passé là. Il va être pris entre deux armées. Il va... Ah! Ah, ça c'est moins bien ça. Ah, c'est moins bien, mais j'ai de l'armée. Ah oh, oui, j'ai beaucoup d'unités à distance. Ça va se passer. Bon. Bah, du coup, je vais mener la bataille sur le champ et on se retrouve tout à l'heure. Bataille gagnée. Alors, ça n'a pas été simple. En fait, j'avais oublié que la majorité de mes unités avaient pris beaucoup de dégâts. Vraiment beaucoup de dégâts et surtout ma cavalerie. Ma cavalerie, là, elle est à peu près en même forme qu'en début de la bataille. Et ça a été très compliqué, ça a vraiment été très très compliqué. Heureusement j'avais des bons soutiens au niveau de mes unités à distance et les piquets ça tient bien en front. Parce que honnêtement, on voit j'ai perdu toutes les petites unités de piquets là qui avaient eu du mal déjà. Honnêtement c'était compliqué. Pourtant tout ça là c'est mes alliés, hein. Vous voyez tout ça, ce sont des alliés à moi. Mais je sais pas ce qu'ils font, ils veulent pas venir. C'est des bons alliés, hein, ça, c'est ce qu'on appelle des ramasse-miettes dans le jargon, quoi. C'est... Oh, y a plus rien, vas-y, on y va. Ça, toujours pas. Pourquoi je veux pas mettre de leurs affaires? Voilà, maître cavalerie, barre de célèbre, ça c'est bien. Ok, ok. On va attendre un petit peu là au niveau du moral. Ah oui, ici. Si je fais ça, est-ce qu'il y a les renforts? Ah oh, purée. Ah ouais, mais là ils perdent un peu de... ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout simplement une embuscade. Voilà. Et on va accélérer pour venir à Memphis. Alors,
plaît, là on est bien, là on est bien. Ici, j'aimerais vraiment finir là, ce siège là qui dure depuis bien trop longtemps. Et puis avoir grand chose dedans, ben, voilà, il n'y a plus rien, personne. On va finir tout ça. En plus, on a deux alliés là, ceux qui sont ramenés enfin. Attends, je vais les aider, ils se barrent, hein. C'est. Ouf. C'est compliqué. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment le. Purée. Ah ouais, mais ils se sont fait prendre ça aussi. Voilà. Bon là c'est une bonne défaite, hein, quand, enfin quelques bonnes défaites qu'on a fait subir aux Goths, aux Goths, pardon. Ah non, là on peut faire un. Oui c'est vrai qu'on avait retiré parce que c'était pas le bon. Alors là on est bien, on est bien, on est bien. On a grandi le village. Voilà. Alors, avec lui. Ah non. Ah non. Ah 50. Ah 43 par tour. Ah ouais, oh. On va commencer à avancer, on va commencer à aller en frontière du coup. Voilà. Et lui on le ramènera à Diospolis, hein, au cas où ils essaient de contourner. Hein. On connaît bien cette tactique. On fait le tour, mais au final, bah. Il y a du monde aussi. Voilà. En avance, ok, j'ai un espion qui est arrivé en. Macédoine, oh, c'est ça? Macédonien. Qu'est-ce qu'il me veut, traité de paix? Non. Oui, je suis un loup affamé, j'ai pas mangé depuis longtemps, voilà. T'es content? Ah! Je me souviens, en Thracia, il n'y avait pas des unités ennemies là où. Ouais, j'avais dû recruter des. Ouais, ouais. J'ai totalement zappé ça. Ok, ok. Ah, oh, c'est chiant. On répare. Pas le choix. Ici, il me semble que j'avais vu. Alors non, il a dû le retourner dans les jupes de sa maman. On va aller poliment. Alors on y va. Alors, on recrute et on accompagne. Là, par contre, pas le choix. Allez, mais on va y aller avec les deux armées. Oui, oui, Rome, c'est bien, hein, je suis désolé. Enfin, pas vraiment, mais bon. Voilà. Ici, ça dit quoi? Ici, ça dit que. Putain, ils sont retournés dans la flotte, sérieusement. Ils sont chiants au bout d'un moment. Oh, les gars. Bon, on va reculer un peu. Voilà, on va déclarer la guerre. Voilà, oui, machin. Pas intéressant eux. Et ici Méroé pareil, déclarer la guerre, hop. Et s'ils sont pas contents c'est pareil, sabotage de la colonie, voilà, ça fera moins d'unités à combattre. Artiste martial, c'est bien. Est-ce que je peux prendre harmonium? Ouais. Résolution auto. Voilà. Et lui on va aller là. Et puis même s'il fait un siège ou même il prend Alexandria, eh ben j'irai lui casser la binette, comme on dit dans le. Comme on dit chez nous de manière polie. Oh non, tu crois, hop, ça va finir comme ça. C'est qui ça? Pourquoi ils pillent mon territoire, les bossoirs? Ah mais ils se sont fait prendre leur. Bah ouais bah faut pas être con en même temps, hein. Purée. Arrêtez de me piller, bordel. Normalement ça t'apprendra, faudra réfléchir. On fait des montagnards au cas où quand même. Voilà, rebelles orientaux, et bah t'as qu'à reprendre ta ville de rebelles orientaux de merde. Voilà, me fais pas chier. C'est qui ça, Confédération Germanique leur. Eux, on peut dissoudre. Alors je vais pas dissoudre le général. Tant qu'à faire, autant garder. Mais je vais l'envoyer à Tigranos Arta pour faire du recrutement. On
Voilà, c'est qui lui? Prétendant romain, c'est leurs potes, ce sont leurs potes. Eux, ça avance, toi t'es où? On va à la sirène. Moins de bouffe, toujours. Ah, j'aurais même pu essayer de le tuer, c'est pas grave. Ok, on va voir ce que je peux faire à lui. Renversement d'agent, on va essayer. On sait jamais. Je crois qu'il se fait blesser sur blesser lui. Ah bon? Ah bah il revient là du coup, putain. Non mais. Ah sérieusement. C'était une agitation. Voilà, et là on va aller sur Sparte tranquillement. Ah, peut-être pas si tranquillement que ça, on rappelle c'est la mer. On n'a pas de vaisseau nous. Donc on va faire attention quand même. Hein. Mer est un territoire hostile. Voilà, donc ils sont tombés dans l'embuscade, très très bien, en mode agressif, hein. Moi il y en a qui survivent mieux, c'est... Oups. Voilà, allez, relève-toi, c'est bon. T'as pris des coups au bouclier, c'est pas très très problématique. On va dire en esclavage. Ah bah ils ont... Putain, ils ont reculé loin, eux. Ah oui, ils déconnent zéro quand ils reculent. Il ne peut faire de s'attraper. Pas de chance. Pour eux. Enfin, ce seront des territoires qui me reviendront, donc ça me va. Ok, alors je vais juste faire ça pendant que j'y pense. Voilà, avec le petit renfort. Résolution auto. N'en parlons plus. Voilà, très très bien. On va le retourner à Memphis. On va développer donc priorité à la cavalerie. Et on va sauvegarder ici pour aujourd'hui. Donc, un petit récapitulatif quand même, qu'est-ce qu'on a fait hein. On a pris Nabatée, l'Egypte, une partie de la Libye. Ah ouais, on a aussi allé à Saint-Martia parce que là ils arrivent pas à se défendre contre la Confédération germanique, donc on va falloir leur donner un coup de main à eux là. Et on se dirige en direction de l'Éthiopie, toujours un plus à l'ouest de la Libye, hein, faut pas déconner. Prochain épisode, ce serait bien de reprendre toute la Grèce actuelle, donc Macédoine et Achaïa. Non, Achaïa, pardon. Et puis ce sera pas mal. Oups, là. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao.